Bonjour, si vous débutez en origami, cette vidéo est faite pour vous. On va vous apprendre à quoi ressemblent et comment plier les plis vallées et montagnes que l'on retrouve dans tous les diagrammes d'origami. Pour découvrir tous nos autres tutoriels vidéo, rendez-vous sur notre chaîne Senbatsuru, dont le lien s'affiche maintenant. Le pli vallée est le pli le plus simple de l'origami. Prenez par exemple un carré. Pliez-le en deux en rabattant le côté droit sur le côté gauche et vous avez réalisé un pli vallée. Il est symbolisé sur les diagrammes par une succession de tirets. Quand vous dépliez le carré, vous observez que vous avez réalisé un creux au centre du pli. Et si vous regardez de côté, on voit bien qu'on a fait un creux en forme de vallée, d'où le nom pli vallée. Voici un autre pli réalisé. Ces deux coins que je rabats sur le centre sont également des plis vallées. Le pli montagne est l'inverse du pli vallée. Pour le réaliser, prenez votre carré et rabattez vers l'arrière la moitié de celui-ci, si vous voulez plier le carré en deux. Marquez ensuite le pli. Le pli montagne est symbolisé dans les diagrammes par une succession de traits et de points. Si vous dépliez la feuille, vous vous rendez compte que vous avez fait un pli qui est marqué en relief, d'où le nom pli montagne. Voici un autre pli montagne. Faisons maintenant un origami très simple avec ces deux plis. D'abord un pli vallée en rabattant un morceau de la feuille sur elle-même. Puis un pli montagne, en rabattant par derrière cette fois-ci l'angle en haut à droite, et un second pli montagne, en rabattant par derrière toujours le deuxième angle. Et vous avez fait une maison très simple. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.